Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de ma saison 5 d'aventure de survie suivie sur Minecraft en solitaire et en mode difficile. J'ai nommé Nouvelle saison 5. Voilà, j'ai trouvé un titre accrocheur. Nous avons donc investi l'abri. Voilà, après nous être débarrassé d'une araignée particulièrement belliqueuse, nous voilà... Oh la vache, ne serait-ce point... C'est... Oui, c'est un loup-garou. Donc on va se calmer. J'ai du lag. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qui se passe, bonne jeune? J'ai du lag, bonne jeune. Attention. Hop, on va les récupérer vite fait, la ficelle. On se renferme. Et voilà, donc pour mémoire, nous avons investi un gigantesque arbre fait de bois. Oui, carrément. Hein, c'est comme ça, je suis un fou. Je vous montre des choses que vous ne verrez jamais dans votre vie. Un arbre en bois qui a été complètement défoncé par un ogre, que j'ai pu reconstruire illico et qu'il va falloir que j'isole au moyen d'une barrière afin que les ogres, ne puissent pas s'approcher autant et ne puissent pas flairer ma présence. Parce que j'ai beau me laver, visiblement, ils y arrivent quand même. Donc voilà. Alors, l'arbre est assez grand. Oui, petite chose que je vais vous dire tout de suite. Je n'aurais plus à gérer la soif. J'ai enlevé ce mode qui posait des soucis avec un autre mode que je tenais à mettre. Dont vous verrez les effets. Je ne vous dirai pas forcément lequel. Bon, bref, il y a eu des soucis. On ne perd pas tout au change. On perd la gestion de la soif qui est bon... intéressante mais qui reste assez plan. Il a 15. Il y aurait moyen que je le... J'ai des flèches. Torche arrow one. Ouh, je peux aller loin. Il voudrait pas me voir. Coucou. J'ose pas sortir parce qu'il fait quand même très. Il est où? Non, il n'a pas disparu. Il est là, je le vois. Bon, il ne s'approchera pas plus. Hein. Là, il y a des ants. Je ne sais pas du tout s'il y a des animosités entre... Des inimitiés entre tous ces monstres-là, s'ils se tapent sur la poire gentiment ou méchamment. Là, il y a le soleil qui arrive. Ouais, ça s'éclaircit, hein, effectivement. Et la lune, oui, la lune va faire dodo, hein, tranquillement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui? On va déjà repasser en revue mes ressources, parce que je ne me rappelle déjà plus ce que j'ai. Ouais. J'ai plein de merdier, en fait. Hein. J'ai complètement plein de merdier. Alors, un lit. Oui, un lit. Il faut. Il faut que je dorme. Bon, je vais dormir pour l'instant là, mais soyons clairs, ce sera... À un moment donné, ah, trop tard. J'ai pas pu fixer mon point de résurrection. Faut que je le fasse plus tard. Là, il y a déjà un qui s'est transformé. J'ai bon espoir que l'autre ait fait de même. J'ai une araignée qui m'attend. Je sais pas trop où, mais elle m'attend. Elle ne m'attend plus. J'ai des micro-lags. Alors, qu'est-ce que j'aurais changé? J'ai bidouillé Optifine, mais plutôt en bien. Pas sûr. Bon. J'ai cet énorme arbre qui mériterait vraiment de brûler. Bon, par contre, le faire brûler à côté de mon arbre géant, pas trop. Il y a une araignée quelque part. Hein. Vous devez l'entendre normalement. Où est cette petite coquine? Ça se trouve, elle est perchée tout en haut. Je monte comment c'est tout en haut d'ailleurs. Je suis jamais monté sur ces arbres-là. Ouh là là, je sais pas où c'est. C'est trop près de moi. Mais il est fou. Il continue de me poursuivre. Mais pourquoi il me poursuit? Je lui ai absolument rien fait. Oh. Alors attends, c'est le plus moyen. C'était quoi ça? Je veux pas le savoir.
my god. Je me casse. Je sais pas trop où je vais. Vas-y, ose taper un end. Ouais, ça c'est une bonne solution peut-être. Parce que là, il m'a chassé de chez moi, hein, l'enfoiré. Oh, j'y crois pas, il est en train de me chasser de chez moi, sérieusement. J'apprécie moyennement que tu me chasses de chez moi. Bah, j'ai mon autre chez moi, mais enfin bon. Alors, est-ce que j'ai de l'armure? J'ai un petit torse. Est-ce que je vais essayer de le tuer lui? Ça fait longtemps que j'ai envie de tuer un mage. Bah, faut essayer pour voir, hein. Moi je dis. Donc on va essayer. J'ai un petit chat dans la gorge, hein, comme vous l'entendez. J'arrive plus à. Ah voilà, changer. On va manger une fraise. Voilà. Qu'est-ce que tu. Me piquer des trucs? Ils me font flipper. Alors toi déjà, tu vas mourir. Non mais carrément. Voilà. Les lives. Voilà. Hop. Co-tipper. J'ai récolté 2. Wow! Trop cool. Alors toi. Non, attends, j'ai toujours pas mangé assez. Une pomme. Je vais tiens la garder pour l'instant. Oui, de toute façon, une pomme ne me nourrira pas assez. Voilà. Alors, ça ne sert plus à rien d'avoir de la flotte. Donc, on va mettre une pomme là. On va ranger l'arc ici. Et... bah voilà, je sais pas ce que je suis censé mettre d'autre par ailleurs. On range les flèches et je vais le bousiller. Je vais attendre quand même ma pleine vie. Il est pacifique. Je le soupçonne quand il est sur les nerfs d'être un tout petit peu moins... pacifique que ça. Ouais, ça suffit. Hop, petit critique pour commencer. On ne laisse pas le temps de... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien? Ah, et si, il m'a fait un truc. Non? Bon, il donne quelque chose. Je sais que j'ai looté quelque chose, mais quoi? Non, peut-être juste le bout d'expérience. Il donne rien. Bon. Bah, voilà, à l'occasion, on recommencera. On verra un petit peu ce qu'il en est. Alors, ah oui, d'accord, oui. Alors, qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans tout ça? Oui, enfin, je récupère ou pas, c'est pas très important. J'avais rien à cuire. Ah bah, des flèches maintenant que je peux. Hop, 4, wow. Trop, c'est trop. Les livres, on verra. Donc, là-dedans. Ouf. Il y en a du merdier. Alors, je vais pouvoir me débarrasser peut-être de ça, ou plutôt d'ailleurs les rapatrier. Le cuir, c'est important. Redwood, slab. Rien à faire. Alors, ça, oui, ça, je peux pas le remettre. Tout ça, je ne peux pas le remettre. Grape, oui, oh, bah, j'ai 3 côtelettes, on va pas pleurer non plus. Ma potion, ma fameuse potion, il faut que ça, je le plante. Il faut que je le plante. Bah, près de l'eau, je peux. Je peux. Alors, c'est quoi ce bruit-là qui m'intrigue depuis que j'ai la dernière fois? C'est pas toi qui fais ça quand même? C'est toi? C'est étrange. Personne là. Très bien. On va aller se promener. Bon, en fait, se promener, oui et non. Hein. Il faut que j'aménage le pourtour de mon arbre. Alors toi, oh, t'as 9 points de vie. Bah écoute, tu vas y passer. Est-ce que tu es une proie intéressante? Eh bien écoute, un seul moyen de le savoir. Bon, tu donnes de l'expérience. Oh là là! Toi, t'es méchant. Quoi, c'est toi qui ferais ce bruit-là? Non. C'est les Ents. Est-ce que j'ai de quoi taper à distance? Alors, un petit peu plus qu'un arc. J'ai 4 flèches. Oh, il a 30 points de vie. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Je sais pas du tout quoi faire, je sais pas du tout confiance. À mon avis, il va me défoncer. Ils sont très forts. Ils sont extrêmement puissants.
Misère, je sais pas. Je ne sais pas. Enfin, je fasse le tour. Est-ce qu'il y a des petits copains? Non. Ah! Oui, ah oui, je disais. Ah bah oui, c'est pas du tout du décor. Oh là là, toi. Toi, mon salaud, je crois que. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Il va falloir que je fasse le tour. Ça va être compliqué. Il faut pas qu'il me chope, hein. S'il me chope, c'est la mort assurée. Ah, des petits cuboïdes. Allez, on s'arrête pas trop trop. Là, je traverse. Et ça vaut le coup de le tuer? Non, je vais laisser. C'est toujours des alliés potentiels. Je vous rappelle, j'en ai toujours 4. J'ose même pas leur affronter, leur faire affronter. Bon, alors maintenant, il faut que je me concentre. Ouais. Enfin, je me fasse un bouclier, les gens. Il faut que je me concentre sur les. Ah, araignée. Bon, les archers, je ne sais pas. Oui, d'accord, je savais que toi, t'allais moyennement apprécier une façon de faire. Alors, s'il m'aurait poursuivi, il serait là. Il y a de fortes chances qu'en fait, avec le soleil, il est en train de descendre. Ouah, je l'ai eu, je l'ai eu. Ou quoi? Ah non, non, c'est la suite ou. C'est un viseur FR? Oh là là. Violent. Violent, violent, violent. On va remanger. Hein, hop. Je vais reprendre du coup. Donc on va repasser par là et je vais reprendre la nourriture. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis en train de bouffer tout. Il faut que j'aille. Oui, il faut que j'aille chercher mes petits copains. Voilà, je vais les changer d'endroit. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est exactement ça qu'on va faire. Voilà. Je ne savais pas trop où est-ce que j'en étais. Maintenant, je me rappelle. Donc déjà, alors, le temps qu'ils viennent, voilà, on va les libérer. Alors, vous venez ben, tous. Normalement, 1, 2, 3, 4. Ça y est. Ouais, je vois vos petites jambes. Normalement, vous devriez pouvoir venir. Donc, on va prendre de la nourriture, pas n'importe laquelle. La plus nourrissante. Là, j'ai quoi? J'ai du steak. Voilà du steak. Bah, c'est tout, hein, grosso modo. De la pierre. Bah, disons que je vais reprendre un stack point. Sérieux, les patterns, les machins, ça n'est aucunement intéressant. Voilà. Du coup, je vais peut-être reprendre comme encore un petit peu de pierre ici. Alors, c'est plus simple. Là. J'ai ça, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? La canne à sucre. La canne à sucre, c'est super, 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 super important. Alors ensuite, boum, boum. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, je peux venir rechercher plus tard. Du flint. Non. Du bois. Non, surtout pas du bois. Surtout pas, surtout pas. Le charbon. Ah, charbon, sérieux, j'en ai assez, quoi. Je vais reprendre par sécurité. Un peu, 27 ça suffit. Les fleurs c'est bon. Est-ce que j'ai des trucs à faire pousser vraiment 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 important? Les seeds, j'aurais tendance à les prendre. Les graines de blé. La poudre d'os, au moins la moitié. Ah, ça m'a l'air correct hein, les amis. Ça m'a l'air correct. Le sable, tout ça. Non. Allez hop. Voilà, donc maintenant ils vont se téléporter. On va se dépêcher. D'ailleurs, je vais voilà, m'armer. Waouh. Sans savoir un quatrième. Ah non, me dites pas qu'il y en a un qui est perdu. Ça y est, il y en a un autre. Bon, normalement. Oh là là. C'est des intrus, c'est des méchants, je sais pas, je vois des trucs, mais je vais pas attendre, je rentre. Ils se démerdent. Heureusement, je suis pas touché, normalement ils ne devraient pas. Hier. Oh, non.
conneries. Faut que j'arrive à ce qu'il se téléporte, à ce qu'il rentre, mais pas tant pis, ils vont rester comme ça. On va essayer de dormir. Et je peux pas, hein. Faut que je monte. Bon, donc c'est le moment de faire un étage. Alors, sans trop paniquer, on va enlever tout ça. Ouais, ça aussi. Ça. Non, pour l'instant, non. Donc, Art of the Tree. Ouais, c'est plutôt ça. Ça, on s'en fiche. Ça aussi. Tout ça, on garde. Bon, ça a l'air pas mal. Voilà. On va déjà refaire un plafond digne de ce nom. Parce que là, je veux pas dire, mais ça fait un petit peu pitié. Je vois pas intérêt de faire peut-être un... Vous croyez qu'on fait un double... Est-ce que j'aurais besoin... Ah, on sait jamais si je veux faire des tapis, des machins, des... Ouais, peut-être. Là, je vais le faire, de toute façon, je vais récolter autant de bois, si ce n'est même plus que ce que je vais enlever. Voilà. Alors maintenant, il faut que je trouve comment monter. Alors, pour monter, je vais mettre pour l'instant une échelle, mais ce sera probablement avec un escalier après. On va la faire là, tout simplement. Alors, je vais peut-être prendre quand même les bons outils. 1, 2, 3, 4. Voilà, à partir de là, normalement, je dois pouvoir monter. Donc là, voilà, et puis ce sera encore après un plus. Ok, donc des échelles, vite. Ça, c'est quoi? Tool Station, très bien. Des échelles, donc ici. Normalement, j'imagine que 3 devrait suffire. C'est pas le cas, on en refera. 1, 2, 3. Oh ouais, normalement, 3 suffisent, voilà, pour grimper pour l'instant. Alors, et puis, allons-y, hein, on creuse. Voilà. Donc là, du coup, c'est 1, c'est comme ça. Probablement pas assez de... Mais c'est pas grave. Où je pense bien dormir pour fixer mon point de spawn. Je préfère effectivement apparaître au creux de cet arbre. Là au moins je me sens en sécurité. Plus on sera haut, moins il y aura de monstres. Donc c'est cool. Je peux aussi dormir au sous-sol, mais... Voilà. Alors, hop, une petite réparation de la pioche, on y retourne. Et voilà, comme neuf. Assez pratique, hein. C'est pas hyper puissant. Je crois que quand j'en ferai une en fer, ça ira mieux. J'ai pas grand chose à dire, hein, soyons clairs, je suis en train de bûcheronner tranquillement. Alors logiquement, il y a une torche qui arrive là. Et le pendant de l'autre côté. Ah, ça me fait des bonnes salles quand même. Voilà, alors j'aurais peut-être des petits trous dans le sol, puisque quand j'ai rebouché le sol, plutôt d'ailleurs par vers là-bas, des petits trous, c'est pas grave, je compléterai, hein, le bois, voilà, j'en ai fait 44. Alors donc là, boum, petite torche, et voilà, c'est la dernière, très bien. Pareil, il est possible que je doive régulariser la... Ah bah tiens, quand j'en parlais, hop. Par contre, j'ai plus de torche, et... Ah oui, mais j'ai du charbon, j'ai tout ce qu'il faut, pas de panique. Oh bon, je vais ramener la table en haut, hein, parce que
Beaucoup plus simple. On va tout de suite faire des torches. Et c'est parti. Bon, soyons clairs, hein, c'est la longueur de coupe qui est vraiment embêtante. Je vérifie quand même que j'étais pas en train de parler dans le vide avec un micro fermé. C'est vérifié. Non. Tant mieux. Voilà. On va faire des fenêtres, hein, probablement, pour voir un petit peu ce qu'il y en est du jour. Ou pour pas faire une horloge. L'un des deux, en tout cas. Bon, on touche au but, hein, bientôt. Et on va tout de suite mettre la torche manquante, qui normalement devrait être là, j'imagine. On va voir si on peut déjà dormir à l'étage, puisque c'est le but principal. Avant toute chose, là, peut-être un de plus. On va voir ça. Ouais. Voilà, donc ça on récupère. Mince. Donc vous voyez, on a beau la réparer souvent, ça coûte vraiment peanut, quoi. Donc, alors là. En fait, je pense que celui-là aussi, il est... Voilà, celui-là, il est trop. Et après, ça fait 2. Ouais, ouais, donc c'est bien ça. Oui, donc en fait, les salles sont même beaucoup plus grandes que ce dont elles ont l'air. Voilà. Il faut encore que je fasse tout le toit, hein, mais ça, c'est pas grave. Pour éviter les apparitions intempestives de monstres. Là, ça fait 2, voilà. Ouais, ça va me faire un... barque, non. On va mettre ça. Bah voilà. Ah, il est là. Coucou. Ah voilà, là je suis suffisamment haut pour qu'il... Attends, là et là. Très bien. Tu bouges encore ou tu bouges plus toi? J'ai pas compris. Là tu bouges plus. Donc deux en haut, deux en bas. Ouais, c'est très bien. Ça, on prend. On va le mettre en haut. Vite, vite, vite. Je crois que j'ai plus beaucoup de temps pour dormir. On va essayer de le mettre pile au milieu. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Là, maintenant, je suis en sécurité. Alors, toi. 22 sur 200. 0 sur 200. Ça tombe bien qu'il soit en haut. Toi. 26. Donc pour l'instant, c'est toi qui as le plus d'expérience, et toi, 0. Toi, t'es pas bon, quoi. Ah, je t'ai tapé, je crois. Je t'ai tapé, mon gars. J'ai pas fait exprès. Je m'en excuse. Platement. Voilà. Ouais. Alors, les armes... Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Je vais fermer pour éviter que je les entends plus. J'entendais des zombies. Pourquoi je les entends là si près? Et ils auraient pas apparu. On dirait qu'ils sont au-dessus de moi. Je les entends super près. Bah, le tronc est plein, logiquement. Alors là, en fait, pour expliciter un petit peu, j'entends un zombie très très près. Je les entends d'autant plus près que je suis en haut. Pas tellement logique puisque je me suis réfugié justement en haut pour m'éloigner des monstres qui sont au sol. Alors ce qui est possible, c'est qu'il y a quand même des aspérités, c'est qu'il y a un zombie qui a pu apparaître sur
l'arbre. De toute façon, je ne vois pas vraiment toute explication. Donc, c'est perturbant. Alors on va déjà finir quand même cette salle pour dire que ouais. Il y a un Enderman. Ouh, ça me plairait bien ça, un Enderman. Bien à l'abri sous deux blocs, pour qu'il ne puisse pas venir me taper, ça me plairait. Là par contre, avec mes plafonds de 3, ça peut spawner à l'intérieur. Bon, on verra. On verra, on verra. Voilà. Bientôt fini. Donc, du bois, j'en ai plein. Donc on va faire une clôture autour. C'est ce qu'on va faire. On va faire une muraille, une clôture, enfin ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Et là. Clairement, il a spawné sur l'arbre. Ce con-là, il a spawné sur l'arbre. Alors, voilà, donc tout ça, j'en ai pas besoin. Voilà, la 12, hop. Je pense pas que ça suffira. On va en faire plus. Bah voilà, hop. Quarante-huit, ça me semble pas assez, hein. Sincèrement pas assez. Hop, bourrinage. Ouais, ça commence à être bon là. Voilà. Et puis il va falloir trouver qui me fait gros gros dans les oreilles. On va tout de suite s'éloigner déjà, dans un premier temps. Alors, il a un sac à dos. Ouais, il a un creeper. Attends, alors je peux pas tout gérer en même temps. Oula, terrain accidenté, ça va être difficile. Je veux absolument ce sac à dos. Oups. Bon, alors, c'est pas grave, on récupère ça vite fait. Alors, comment je vais faire? Hop, on va se mettre comme ça. Oh la vache, il me faut absolument. Viens. Là. Oh non, con. Il est au-dessus? Non! Je me trouve dans la pire des situations. J'ai fâché un Enderman. Je ne sais pas où il est. Ça craint, hein. Voilà, on va rentrer par effraction. Il est là? Non, pas vraiment. Bark, bark, bark. Moi, je dis qu'il doit être là quand même. Lâche, qui me lâche. Plus mauvais moment.
Oh shit. Toi. Ah mais il est chiant. Je stresse comme un malade. Je stresse comme un malade. Vous allez m'excuser une seconde. Mon assistante qui ne m'assiste pas du tout est en train de hurler. Je parle bien entendu de ma fille. Ceux qui me suivent, ils le savent. Mes enfants sont incapables de respecter un temps de tournage entre guillemets. Misère. Je stresse. Je stresse à mort. Bon, la José qui viendra pas. Oh misère. Je suis perclus de stress. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je suis. Normalement, dans les escaliers, il ne doit pas pouvoir venir. Oh misère. C'est aussi Sleep at Night. Ça t'appelle passer la nuit quand il fait tout noir dehors et qu'il y a des monstres. Définis-moi ce moment, s'il te plaît. Non, parce que là, pour moi, c'est quand même la nuit. Hein. C'est à quoi? C'est la soirée? C'est... J'aurais bien vu son... Il avait un sac à dos. Hein. Vous avez peut-être... Bah, de toute façon, vous pouvez repasser au ralenti. Vous avez l'avantage de ça. Vous, les viewers. Bon, je fais une petite pause. Parce que je pense que... Il y a des soucis. Voilà. Excusez-moi un petit instant. Voilà, re les gens. Tac. Bon, je veux dormir, je veux finir. Le stress n'est pas forcément retombé. Hein. Et si vous me demandez si ça y est, ça va mieux. Non, ça va pas mieux du tout. Voilà, bon, là, je stresse un tout petit peu moins. Mais vraiment un tout petit peu. Hein. Non mais sérieux, c'est la nuit, il faut pas déconner. C'est la nuit et il pleut, à quel moment je suis censé ne pas pouvoir dormir? Non mais ça c'est... Il y a un bug dans le jeu, vous croyez? C'est possible? Ah! Merci. Bon, soyons clairs, c'est pas ça qui va arranger le truc des Enderman. Mais...
on va arranger un maximum dans le coffre, il n'y a pas grand chose. On va refaire un coffre, et puis advienne ce que pourra. Je vais sortir juste avec mes armes. Et voilà, hein, je peux pas. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc, tac. Alors, est-ce que je le mets à côté? Oui, je vais le mettre à côté, tout simplement. Voilà, viens à toi. Hop. Voilà. Encore ce machin. C'est pas censé. Il y a un bug. Je sais pas si vous voyez l'ombre volante là. Ça c'est un arbre. Un arbre, non, c'est pas. Oui. C'est un cheval. Cheval des ténèbres ou un truc comme ça. Il est où ce qu'on a? Toi, t'as un sac? T'es toujours le même, hein, t'as un sac, sérieux. Non, il me faut absolument. Ouais, non, c'est bon là. Mais pourquoi il veut pas. Il se comporte pas comme un Enderman normal. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là! Zombie de merde. Tu veux pas descendre, sérieux? Je peux pas venir te voir, hein, non, avec trois de. Ah bah il est là. Bon, toi viens me voir. Tu vas prendre ta punition. Alors, j'ai appris que ces chevaux étaient pas très dangereux. Non, viens voir que je te loot. Toi, je vais te looter. Alors, est-ce que t'as donné un truc? Alors, quand je dis un truc, moi je sais de quoi je parle. Non, il a pas donné un truc. Alors, je vais aller voir cet Enderman. Ça me. Est-ce qu'il est encore là d'ailleurs? Ben, il est là, mais. On va essayer un truc. On va s'équiper là. Je sais pas si. Si je me mets comme ça à la régulière. Mais là, il va me défoncer à mon avis. Hein. Il ne veut pas. Désolé pour le bruit. Je pense que je vais arrêter l'épisode. Oh, ce sac m'intrigue à mort. J'ai envie d'avoir ce sac. C'est un sac à dos et je crois que je peux le porter. Et un sac à dos, c'est trop cool. Bon, bah tant pis. Écoutez, bah, en attendant, il veut pas. Je vais pas le forcer. On va reprendre les armes pour gagner de la place. Et on va aller faire les transferts. C'est quoi ça? Un champignon en l'air, tiens. Alors ça, c'est une physique intéressante. Ouais. Et puis donc, on va... Voilà. Vous êtes d'accord? Ok. C'est bien. Je savais qu'on serait d'accord. Ouais, on va faire des transferts, en fait. Voilà, transfert des coffres. Donc, je vais me blinder de tout ce qui tient à l'intérieur de mon petit corps, dans mon inventaire. Donc, on va faire ça... Boum! Comme ça, tout simplement, on va faire des allers-retours. Voilà. Ça peut être compliqué, hein. Attention, nounours. Maléfique, il n'y en a pas là. Le décor est assez accidenté. Le décor est très accidenté. Because les creepers. Ah, toi. Bon, je sais pas qui t'es, où t'es, mais. Mais. Eh ben. Oui. Pour ceux qui ignorent, je ne vis pas seul. Je crois que maintenant c'est clair. Faites comme s'il s'agissait d'un laissé bruissement de feuilles, une feuille d'arbre qui tombe par terre.
ou une fourmi qui se gratte derrière l'oreille avec la patte arrière, la troisième à partir de la droite. Oui, exactement, la troisième à partir de la droite. Et voilà. Et je vais. Des citrouilles, et je vais des citrouilles. Voilà. J'ai l'impression que je suis un petit peu monomaniaque de la pensée diverse. C'est tout à fait vrai. Et je suis probablement en train de me perdre, mais des citrouilles, c'est trop cool. Comment j'ai pas vu ces citrouilles? Les citrouilles, c'est le bien. Viens, viens, viens! Ah, oh, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Faut que jette un truc, faut que jette un truc, faut que jette un truc. De la terre, je m'en fiche. Vache, j'ai deux citrouilles, j'en ai deux. C'est bonnard. Non, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Il y a des poules, il y a un chat. Il y a un chat. Il est où? Il est où? Et en plus, les chats sont aussi casse-bonbons dans la réalité dans ce jeu. Ils arrêtent pas. Ils sont aussi casse-bonbons dans la réalité. Je vais probablement mourir de. Non, je vais pas mourir, ça y est. Premier transfert fait. Et je vais, je pense, vous laisser. Je ne sens mon sens d'aventurier me prédit que la situation n'est plus gérable au niveau sonore. Je vais bientôt le regretter. Donc voilà. On va faire encore des coffres pleins. Je vais le mettre, je sais pas trop où. Il faut que je mette des coffres partout. Bah écoutez, pour l'instant, je fais ça comme un goré. Et on verra après. Je crois qu'il y a un truc qui résiste. Voilà. Les amis, je vous laisse. Merci. À bientôt. Ciao.